Vous allez bien? Oui, accélère. Bonjour cher ami, les marchés c'est là-bas? Non, marché c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, monsieur. Ah, c'est pas ici. C'est voilà, pas... tout droit, vous allez tout droit. D'accord, merci. Pardon. Voilà, nous arrivons à la place du marché de Deauville. Voilà. Bonjour madame, les marchés c'est où? Moi ça veut pas ici. Hein. Ah bon, non, les marchés c'est tout droit sur la place. Merci madame. Dépassons la mairie de Deauville. Vous la voyez là, elle est très coquette. Vous allez bien? Oui, merci.
Dès que ça revient, il y a mal. Il faut le payer après. A plus. D'accord, ça va ? Non. Quand tu cherches. Pour France 24. Ça va. Mais quelle est ta réaction par rapport à... la capture de Ben Laden. Oui, tout à fait. C'est pas la capture, c'est la mort de Ben Laden. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon... c'est une bonne réaction américaine par rapport à leur peuple. Les Américains attendent ça depuis 10 ans. Mais le problème qu'on se demande aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ce qui s'est été réalisé? Et de l'autre côté, on se demande, est-ce que Obama, il peut prendre une décision pareille si elle n'est pas une telle déclaration si elle n'est pas correcte? Je vois pour la France, ça sera un peu gênant parce qu'il y a deux otages français qui sont entre les mains des talibans et même par rapport à tout le monde, donc il y a des risques d'attentats qui seront envisagés dans les mois et dans les mois à venir. Mais on se demande toujours, est-ce que vraiment Ben Laden il était touché ou pas? Mais le fait que, au lieu de l'enterrer, qu'on ait jeté son corps dans la mer... C'est vrai, c'est opposé à ce que la religion musulmane et les traditions musulmanes demandent. Le fait de jeter quelqu'un dans la mer, malgré qu'ils ont fait la prière et tout ça, je trouve que c'est... C'est un non-respect pour la religion musulmane. Je ne vois pas la crainte des Américains d'avoir un mausolée à Ben Laden et peuvent tout simplement l'enterrer en Arabie Saoudite où là-bas, c'est connu, il n'y a pas des cimetières nommés. Donc tout le monde peut avoir une tombe sans avoir le nom. Et ça sera vraiment une sortie diplomatique pour les États-Unis qui peuvent l'enterrer sans avoir des problèmes avec la communauté musulmane. Alors Myrna, nous sommes à Deauville. Quelles sont tes impressions par rapport à cette ville? Ben, c'est une belle ville, très mignonne, les gens sont sympas. Et l'organisation de Christine est merveilleuse. Ça m'a attiré l'attention, la présence de nouveaux visages à la PE, ce qui est très important d'avoir de nouveaux membres parmi nous. Merci beaucoup Myrna. Merci à toi. Je continue.